بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ميسيو شيخ شيخ فرير مرحبا بكم في في هذا الموعد ميرسي رونديفو دو votre émission افي euh, religieux euh, nous avons reçu beaucoup de vos questions et docteur جوهري اي est là pour y répondre Docteur Douhri malhababik. Et merci d'être euh, là. Euh, D'abord, avant de commencer à répondre aux questions, euh, vous avez proposé un sujet d'une très grande importance à débattre euh, qui a une relation avec euh, notre communauté à l'étranger. Certes, notre, nos chers téléspectateurs ont beaucoup... Entendu parler de deux de phénomènes qui sont la xénophobie et l'islamophobie. Euh, je voudrais bien, docteur, euh, de mettre de la lumière sur ces deux phénomènes et, a, et après on va, on va voir quel, quel, quel est l'impact euh, sur no, notre communauté à l'étranger et sur l'islam à l'étranger. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. La xénophobie, ça veut dire le rejet de l'étranger, de l'autre, euh, euh, par rapport ou pour sa différence, peut-être raciale, sexique, euh, religieuse, culturelle, etc. Et L'islamophobie, c'est un phénomène qui est lié à cette xénophobie parce qu'on considère dans beaucoup de pays d'Occident que l'islam est étranger à, à la composante culturelle, ethnique, sociale de ces sociétés-là. Alors que l'islam euh, est rentré en Europe depuis des siècles. Et il y avait en quelque sorte euh, quelques régressions. Euh, pendant des siècles, euh, pendant quelques siècles, mais l'islam euh, est ancestral en Europe, depuis euh, que l'Andalousie a été prise par euh, les musulmans, depuis que l'Empire ottoman s'est euh, élargi euh, vers l'Europe euh, de l'Est euh, aujourd'hui, et depuis qu'il y ait un flux euh, d'immigrés euh, après la colonisation, ou pendant même la colonisation des pays. Euh, musulmans euh, par les pays occidentaux, il y a euh, cette euh, diaspora de communautés musulmanes qui s'est installée surtout euh, en Europe euh, et précisément euh, en Angleterre, en, en France, en Belgique, en Allemagne, là où il y a des fortes communautés euh, musulmanes. Cette communauté musulmane ne cesse de s'élargir avec euh, la conversion euh, de beaucoup euh, de gens euh, à cette religion-là. On note à peu près euh, qu'il y a entre 20 et 30 000 euh, nouveaux convertis euh, chaque année euh, en Europe. Alhamdulillah, pour ça. Euh, et euh, cela peut-être chez quelques cercles de pensée quelques cercles de philosophes euh, qui fabriquent un petit peu l'opinion euh, publique euh, par euh, des stratèges, voilà des stratèges qui qui fabriquent l'opinion publique euh, en Europe parmi eux parmi ces cercles, ces cercles là il y en a qui rejettent euh, l'islam qui rejettent les musulmans euh, pour leur islamité et euh, qui ont, du, ça, mal et qui ont du mal à accepter euh, cette coexistence, cette cohabitation entre euh, les différentes euh, religions qui composent un petit peu euh, la religion, la religiosité de l'Europe en général. Et euh, ça se manifeste aujourd'hui par euh, beaucoup d'actes. Euh, xénophobe, c'est-à-dire rejetant l'étranger, et, et je dirais bien islamophobe, c'est-à-dire euh, euh, générant... Euh, une peur euh, quotidienne de tout ce qui est lié à la pratique euh, musulmane. Euh, ça euh, se conjugue avec euh, ce qu'on voit et ce qu'on entend euh, dire euh, par euh, euh, les opinions politiques, surtout des extrêmes droites dans tous les mmh. pays de l'Europe. Euh, qui euh, vont euh, jusqu'à même euh, prodiguer un discours euh, haineux euh, envers les musulmans et de dire même qu'il arrivera un jour où on va chasser l'islam le, de l'Europe, on va chasser mmh. les musulmans de l'Europe. Et puis, euh, ça euh, se traduit aussi par des blasphèmes, des, euh, euh, des profanations, des profanations euh, concernant. Euh, les mosquées concernant les cimetières des musulmans concernant... Euh, les écritures, les inscriptions les transcriptions sur les murs euh, des mosquées et puis euh, euh, quelques euh, actes xénophobes et islamophobes envers euh, même les femmes qui portent euh, le, le, le voile même à visage euh, découvert ce qui est euh, même euh, concernant la France conforme aux lois de, de, de laïcité, de, de liberté, etc. cette euh, excusez-moi, cette islamophobie euh, elle, elle a pris en quelque sorte aussi une place dans les médias, beaucoup de médias. Que ça soit en France, que ce soit dans d'autres pays, où on essaye de fabriquer une image d'un islam extrémiste, d'un islam fanatique, d'un islam euh, et euh, d'un islam fondamentaliste, etc., pour euh, essayer d'élargir un petit peu cette image et de la généraliser et de dire que voici les musulmans, comment qu'ils euh, euh, actent, comment qu'ils, euh, c'est-à-dire qu'ils qu'ils euh, essayent euh, de pratiquer leur religion, chose qui n'est pas, bien sûr, euh, réelle. Pourquoi Parce que l'extrémisme, le fanatisme, le fondamentalisme existe dans toutes les religions. Il a existé, il existe toujours. Mais euh, nous savons bien que ces extrémistes-là, même qu'ils existent, que ce soit dans le monde musulman, que ce soit euh, ailleurs, ils sont toujours minoritaires. Dieu merci, Alhamdulillah. Que la majorité des musulmans dans le monde applique une religion du juste milieu, cette religion-là qu'a bâtie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a mis en place cette nation-là où euh, l'autre euh, et, et le, le musulman essaye intelligemment à cohabiter, à, à coexister. D'ailleurs, oui. C'est-à-dire ces gens-là qui essayent de diaboliser l'islam oui. et les musulmans. C'est-à-dire qu'on essaie de façonner une image de l'islam qui permet de le condamner. Voilà. Une image qui rend l'islam condamnable, condamnable par rapport aux Barakallah valeurs au adoptées à l'Occident. Voilà. Oui. Alors qu'à l'origine, l'état de citoyenneté, mm -hmm. comme... Euh, c'est-à-dire le, le souhait aujourd'hui euh, toutes les populations intelligentes euh, politiquement parlant euh, n'a été établi que par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à, à Médine euh, après son immigration. Euh, Lorsqu'il a écrit une charte ou euh, une constitution euh, qui a abrité euh, et les juifs et les mécréants, c'est-à-dire les, 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 les idolateurs et les musulmans aussi, lorsqu'il a donné la liberté, voilà, lorsqu'il a donné, où il a, c'est-à-dire, garanti la liberté de culte, cette liberté de culte qui a, qui a été garantie. Tout le long du règne de l'islam, lorsque les musulmans étaient les maîtres du monde pendant neuf ou dix siècles au moins, c'était euh, la nation musulmane était cosmopolite, était euh, multiracial, multireligieuse aussi. Euh, on, on y trouve euh, la contribution et des juifs et des chrétiens et même des mages aussi euh, à cette civilisation musulmane. Je citerai des juifs, des chrétiens qui étaient euh, hommes de science, hommes de l'air, poète traducteur même en politique parfois avec un statut de vizir avec un statut de ministre c'est à dire que l'islam et la nation de l'islam a garanti la coexistence entre les multiples les différentes appartenances religieuses tout le long de, de, des 14 siècles ou 15 siècle depuis l'avènement de, de, de l'islam jusqu'à aujourd'hui, on y trouve aujourd'hui des synagogues, des églises, euh, dans ce qu'on appelle le monde islamique. L'Égypte, le Liban, la Palestine, l'Irak, la Jordanie, etc. Et aujourd'hui, on essaye euh, en quelque sorte de cacher cette vérité par euh, ce qui se passe ici, ici et là, euh, avec euh, les, les, les groupes extrémistes qui touchent un petit peu à cette stabilité euh, de coexistence, ce qui se passe peut-être en Irak, etc. C'est purement peut-être fabriqué par euh, les, les stratèges pour euh, essayer un petit peu de créer cet alibi là euh, pour diaboliser l'islam alors que euh, pendant des siècles et des siècles les autres l'autre je dirais bien l'autre religieusement parlant n'a trouvé refuge hein, lorsqu'il était persécuté coopérer des musulmans coopérer des musulmans et je citerai les juifs hein, les Juifs, ils étaient sous euh, la protection des musulmans en Andalousie. Et lorsque les musulmans ont été chassés de l'Espagne, de Grenade, en 1492 et euh, les années qui ont suivi, lorsqu'ils étaient chassés, persécutés, etc., et les Juifs aussi étaient chassés de, de l'Andalousie et ils n'ont trouvé refuge pendant des siècles coopéraient des musulmans les que musulmans. dans les c'est-à-dire dans le, le, le pays de, de l'islam ils, ils le reconnaissent euh, ça, ils, le... ils le reconnaissent et, mm. et c'est-à-dire jusqu'à euh, l'arrivée de la colonisation là où il y avait des enjeux politiques et, et puis il y avait euh, des prises euh, en quelque sorte de d'opposition euh, mais euh, ça n'efface jamais l'histoire. C'est une vérité de l'histoire. On, on ne peut pas la cacher. En parlant justement des juifs, un des juifs, euh, des savants des juifs, mm -hmm. s'est converti à l'islam. Alors, choqué, on lui a dit, pourquoi tu t'es converti à l'islam Elle leur a dit, vous dites toujours que l'islam est intolérant, il n'y a pas de tolérance. Alors, j'ai lu le Coran, j'ai trouvé... Le nom de Mohammed est cité quatre fois. Allah. Alors, le nom de, de Moïse est cité plus de 130 fois. Où est oui, ah. la tolérance de, de... Et, et puis, euh, si, si, si on cherche un petit peu euh, à donner des preuves, mm -hmm. je, on en restera pour des heures. Oui. Euh, on bon sait, bon. Si on cherche à trouver des preuves, mm. euh, c'était moi parmi que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens ou autres nations, euh, ceux qui appellent Mohammed, Omar, Abou Bakr, etc., il n'y en a pas. Mais chez les musulmans, tu trouveras des milliers de Isa, des milliers de Moussa, et des Ishaq. milliers de Haroun, et des Ishaq, milliers d'Isaac, d'Ibrahim, Jacob et, 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 et tous ces noms-là qui, qui appartiennent, qui nous appartiennent aussi, bien sûr, mais qui appartiennent à des tendances religieuses qu'Allah a révélées euh, aux humains. Moi, je, euh, c'est-à-dire, euh, je veux en quelque sorte euh, donner euh, cette idée-là que l'islam, lorsqu'il régnait euh, dans le monde, sur le monde, a euh, garanti cette coexistence. C'est à l'Occident aujourd'hui, qui est la locomotive du monde, de, de prendre ses responsabilités comme les musulmans l'ont prise euh, auparavant pendant dix ou siècles ou plus pour garantir cette cosmopolite, pour garantir cette coexistence entre les, euh, les tendances religieuses. Et euh, revenons aux enseignements de notre religion, c'est par sa, son universalité que l'islam a garanti cette coexistence parce que on ne peut pas convertir tous les gens à, à l'islam, c'est-à-dire qu'il euh, y aura toujours euh, ceux qui n'accepteront jamais l'islam. Et comment faire Faire la guerre euh, avec eux abondamment Non, c'est de coexister, d'essayer de trouver une démarche pour coexister. Et euh, cette démarche-là, c'est « lakum dinu kum waliya din » Vous avez votre religion et... J'ai ma religion. Euh, cette coexistence euh, se base sur la, 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 le verset coranique La ikraha fi dîn katabayana min contrainte, al-ghaïl. Nulle contrainte dans la religion. Car le chemin euh, de la piété, voilà, rushd, le, le chemin de la piété ou le chemin, euh, c'est-à-dire de. de, 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 de Divin, hein, et c'est distingué du chemin de l'égarement. Et quand on y revient aussi euh, aux enseignements de, du Coran, on va trouver une, euh, un verset euh, qui peut servir de charte internationale, que peut même l'ONU euh, euh, écrire en, en or euh, sur, sa, sur sa porte ou devant sa porte, le verset c'est okay. « okay. oh, homme, nous vous avons crié d'un mâle et d'une femelle » c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ségrégation à base de sexisme. Ouais, « euh, Et nous avons fait de vous des nations et des tribus » Hein, c'est-à-dire la différence linguistique, la différence de couleur, de culture, hein, etc. Hein, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez entre entre Ce C'est pas vous entretuer euh, ou, euh, c'est-à-dire vous éliminer, vous, vous éliminez les uns et les autres. Et Allah Jalla finit ce verset-là par, par euh, une manière qui dit qu'il n'y a pas de, de différence hein, entre les gens, sauf si Allah a choisi lui-même quelqu'un pour le rehausser euh, de, de niveau plus que les autres. Il dit, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est-à-dire c'est seulement lui qui peut distinguer entre les hommes. Et lorsque le prophète a fait son dernier pèlerinage, il, euh, il s'est adressé euh, aux au caroyens euh, leur dire « Inna wahid wa inna واحد ألا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لأحمر على اصفر ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى قضيه ها. اخر هذه قضيه اخرويه قضيه اخرويه ست 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 ستدير ديرني الله عز وجل va juger entre les hommes c'est pas nous de juger voilà. mais euh, notre dieu est unique et notre père, notre origine, c'est-à-dire en étant des humains, est ah. unique aussi. Pour en finir, euh, euh... Pour, en finir non, je... Je... pour juste en finir, oui. Oui, oui. Je... Vous allez poser une question. Oui, on accuse toujours. Et c'est vrai ouais. que l'Occident fasse euh, cette image qui rend l'islam condamnable et qui alimente cette islamophobie. Justement, pour ouais. cette islamophobie, est-ce que les musulmans... N'en sont pas responsables dans une très grande partie du moment qu'ils sont en train de fournir des preuves qui renforcent les propos diabolisants de l'islam. Oui, euh, je vais aller dans euh, ce sens-là. Euh, on peut dire qu'il y a parmi les musulmans ceux qui donnent à Libye aux autres mmh. pour diaboliser l'islam par leurs actes. Euh, d'une un, application ah, euh, d'une application oui, oui d'une application euh, je, dirais, je dirais pas rigoureuse mais radicale euh, de de de, de, de l'islam euh, pour provoquer un, ainsi euh, la méfiance euh, des autres euh, mais ce n'est pas la majorité ce n'est pas la, la majorité des musulmans qui sont comme ça. On y trouve peut-être 3, 4, 5 dans un quartier, dans une mosquée, etc. Mais la plupart des adeptes de, de ces mosquées-là ne sont pas euh, de cette manière-là. Malheureusement, les, les médias se focalisent, se concentrent sur ces sujets-là pour les amplifier, pour voilà. les mettre en vigueur, pour Renforcer dire euh, le... voici que euh, comment euh, voilà, euh, sont les musulmans. Alors, c'est. Ce conseil-là que j'adresse à nos frères, à nos sœurs, c'est de déradicaliser un petit peu leur euh, application de la religion. Notre religion est une religion de simplicité, de, une religion tolérance. de tolérance, de coexistence, une religion euh, de, du juste milieu. Hein c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrémisme dans notre région. C'est ce qui nous a fait comme une communauté une... uh, du juste Mil milieu. Mil et euh, il faut que nos imams, nos euh, enseignants, nos prêcheurs, si je peux dire, il faut qu'ils essayent euh, de redoubler des efforts dans ce sens-là euh, prêcher la tolérance, prêcher la coexistence, prêcher euh, la déradicalisation euh, de l'application religieuse. Ils en sont et, responsables. Et ils en sont responsables. Voilà. D accord, d accord. Euh,